Vive la liberté de la presse. Vive la liberté de la presse. Pas de journaliste en prison. Pas de journaliste en prison. Pas de journaliste en prison. Libérez Amadou Diallo. Sa place n'est pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Libérez Amadou Diallo. Libérez Amadou Diallo. Sa place n'est pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Libérez Diallo. Libérez Diallo. Sa place n'est pas en détention. Sa place n'est pas en détention. Libérez Diallo. Libérez Diallo. Sa place n'est pas en détention. Sa place n'est pas en détention. Respectez la loi sur la liberté de la presse. Respectez la loi sur la liberté de la presse. Respectez la loi sur la liberté de la presse. Respectez la loi sur la liberté de la presse. Leur détention provisoire, ça c'est vraiment regrettable. Il faudrait qu'ils brisent le silence pour ne pas créer un précédent dangereux en matière de liberté de la presse dans notre pays. En tant que collectif, est-ce que la maison de la presse, espérez continuer à mener le combat? Vous savez déjà, cette mobilisation virtuelle, c'est l'acte 2, on avait déjà tenu une première. Après, deux après ici, à partir de 13h, ceux qui auront le temps partiront à la haute autorité de la communication où nous avons prévu aussi de nous faire entendre pour prouver que l'heure n'est pas à la célébration d'une quelconque fête sur la liberté de la presse tant que nos confrères sont en détention. En tant que responsable du collectif, est-ce que vous avez mené des réprimandes auprès du collectif? Oh, vous savez, dès qu'on a mis le collectif le 13 mars dernier, dans un premier temps, on est allé vers toutes ces associations fêtières de la presse. J'ai parlé de la JEPI, j'ai parlé du Rémigui, de l'URTELGI, j'ai parlé aussi de la GPLG. On a même rencontré l'UDH, l'OGDH, pour leur demander d'accompagner l'initiative pour exiger à ce que les journalistes qui sont en prison soient libérés. Mais on n'est pas parti vers les autorités, le ministère de la Justice, puisque nous estimons que ça ne l'implique pas. On ne peut pas aller lui demander de s'initier dans les affaires policières. Aujourd'hui, vous êtes membre du collectif. Qu'est-ce que vous attendez vis-à-vis des autorités du monde? Nous attendons du parquet, c'est du parquet surtout de la justice, pardon. Nous attendons du tribunal de Dixon qu'il fasse le verdict et qu'il libère tout simplement nos confrères. De façon concrète, vous comptez faire dans les prochains jours s'il ne sera pas libéré. Vous savez, le procès s'est déjà tenu. Il y a eu l'audience le 13 avril passé. On attend que le verdict. Sa place n'est pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Libérez Amadou Diallo. Libérez Amadou Diallo. Sa place n'est pas en prison. Sa place n'est pas en prison. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Magistrat, arrêtez de court-circuiter la loi. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Libérez Diallo. Libérez Diallo. Sa place n'est pas en détention. Sa place n'est pas en détention. Libérez Diallo. Libérez Diallo. Collectif de soutien à Amadou Diallo, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse, célébrée le 3 mai de chaque année, le collectif de soutien à Amadou Diallo, COSAD, regrette la violation répétée de la liberté de la presse en Guinée. Plusieurs journalistes font l'objet d'harcèlement judiciaire, dont le cas le plus éloquent est celui d'Amadou Diallo, illégalement détenu depuis 66 jours. À la maison centrale de Conakry. Le journaliste et historien Amadou Diallo a été arrêté sans convocation préalable le 27 février 2021 et inculpé d'offense au chef de l'État et diffamation. Il est en détention provisoire depuis le 1er mai à la maison centrale de Conakry en violation totale de la loi F02 qui ne prévoit qu'une amende d'un million à 5 millions s'il était reconnu coupable. Nulle part dans ses dispositions, cette loi ne prévoit des peines privatives de liberté pour les délits commis par la voie de presse. Face à cette atteinte à la liberté de presse, le COSAD s'est inscrit dans la logique de défendre la loi et accélérer l'ouverture du procès le 13 avril au tribunal de Dixon. Après que le procureur a requis le paiement de 5 millions d'amende, On s'attendait à une liberté provisoire en attendant le verdict. Mais nous avons été surpris de voir que notre confrère s'est retourné en prison. Pire encore,
M. Amadou Diallo a été arraché de son lit d'hôpital et renvoyé à la maison centrale de Conakry, alors que son traitement n'est pas terminé. Chers confrères, la presse guinéenne est en danger. La liberté de la presse, qui est l'oxygène de la démocratie, a reculé de 24 points entre 2013 et 2020 en Guinée. Les journalistes que nous sommes devons agir pour exiger le respect de la loi. Le COSAD appelle toutes les associations de presse, les organisations de la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme et toutes les personnes soucieuses du respect des droits de l'homme en Guinée à dénoncer l'incarcération illégale d'Amadou Diallo et de dresser contre toute attaque et de se dresser contre toute acte allant dans le sens du bâillonnement de la presse. Vive la liberté de la presse, vive la démocratie. Je vous remercie.